Soyez attentifs. Et
J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a protégée par l'ombre de sa mère. Il a fait de moi une flèche acérée. Il m'a cachée dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël. En toi, je manifesterai ma splendeur. Et moi, je disais, je me suis fatiguée pour rien. C'est pour le néant. C'est en pure perte que j'ai usé mes forces. Et pourtant, mon droit subsistait auprès du Seigneur. Ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, le Seigneur parle. Lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère, que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur. C'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les escapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Amen. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, défends-moi. Libère-moi. Tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Sois le rocher qui m'accueille, toujours accessible. Tu as résolu de me sauver, ma forteresse et mon roc, c'est toi. Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, toi, mon soutien dès avant ma naissance. Tu m'as choisi dès le ventre de ma mère. Tu seras ma louange toujours. Ma bouche annonce tout le jour tes actes de justice et de salut. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Jusqu'à présent, j'ai proclamé tes merveilles. Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table, appuyé contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit, « Seigneur, qui est-ce ? » Jésus lui répond, « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus dit alors, « Ce que tu as fait, ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il y avait dit cela.
Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensaient que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée et sortit aussitôt. Or, il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara, « Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez et, comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Je vous le dis maintenant à vous aussi. Simon Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu ? » Jésus lui répond, « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant. Tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit, « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent ? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus réplique, « Tu donneras ta vie pour moi. » Amen, amen, je te le dis. Le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié trois fois. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, depuis dimanche, nous sommes rentrés dans cette semaine sainte qui marque, vous le savez, un moment important pour la vie des chrétiens. À travers cette semaine sainte, nous allons aboutir, nous le savons tous ensemble, sans aucune, j'allais dire, suspense, nous allons aboutir à la belle fête de Pâques. Pourtant, chaque semaine sainte que nous vivons ne sont jamais les mêmes. Ne sont jamais les mêmes parce que le temps dans lequel nous sommes est différent. Nous vieillissons petit à petit, et en même temps, eh bien, tout simplement, les activités de ce monde changent. Et à travers cette semaine sainte, comme chaque fois, nous allons vivre des jours un petit peu spécifiques. Hier, les prêtres du diocèse de Montpellier se sont retrouvés autour de Monseigneur l'archevêque à la cathédrale de Béziers pour renouveler leur vie, c'est un bon lapsus, leur vœu, sans doute aussi pour renouveler notre vie. Mais nous nous sommes arrêtés une nouvelle fois pour renouveler nos promesses qui ont été faites le jour de notre ordination, à travers cette fête du lundi saint. Le mardi saint, dans le diocèse de Montpellier, il n'y a rien d'exceptionnel, nous nous retrouverons, mais je suis heureux de vous dire que nous nous retrouvons nombreux ce soir dans cette église, plus que d'habitude, et je tenais à vous en féliciter. Le mercredi saint, il n'y a rien non plus d'exceptionnel. De même pour le mercredi saint à Villeneuve-et-Madone, nous allons vivre demain. Et pourtant, à partir de jeudi, le triduum pascal va commencer, la sainte cène avec le Seigneur, et ensuite le vendredi saint, l'office de la Passion. Le samedi saint, vous savez, le Christ est au tombeau, et dès le samedi soir, nous vivrons la belle vie pascale. Alors, nous pouvons nous demander en toute simplicité, en toute humilité, si peut-être que nous sommes un petit peu enthousiastes de la même manière que Pierre, et avec un enthousiasme qui a ses limites, qui s'arrête au moment du reniement. Peut-être que nous sommes parfois trop souvent comme les apôtres, un petit peu apeurés, lorsqu'ils doivent affronter les Juifs et les Romains qui cherchent les disciples de Jésus et qui restent enfermés pendant un certain temps. Peut-être que nous sommes comme Paul, dans un premier temps un petit peu incrédule, et puis ensuite nous ferons tout pour annoncer le Christ. Quoi qu'il en soit, quoi que nous fassions, nous sommes appelés depuis le jour de notre baptême à annoncer ce Christ ressuscité qui est mort, qui est ressuscité pour chacun et chacune d'entre nous. Alors, frères et sœurs, que nous venions du Mali, que nous venions d'Italie, que nous venions de France, que nous venions de n'importe quel lieu du monde, là où le Christ a été annoncé, nous allons vivre cette belle semaine sainte tous ensemble par la prière, unis par la prière, que nous puissions tout simplement nous reconnaître chrétiens. Et lorsque le coq chantera, chaque matin, nous pourrons nous rappeler que nous sommes toujours disciples et amis du Seigneur. Amen.
que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Regarde avec bienveillance, Seigneur, le sacrifice offert par ta famille, toi qui nous fais déjà participer à tes dons sacrés. Accorde-nous de les obtenir en plénitude par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut. T'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout puissant, par le Christ notre Seigneur. Voici que s'approchent les jours de la passion de notre Sauveur et de sa glorieuse résurrection. Voici les jours où nous célébrons déjà sa victoire sur l'ennemi des origines et le mystère de notre rédemption. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Sans, sans, sans le Seigneur.
même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi, qui es mort. Gloire à toi, qui es mort. Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection, offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité. En union avec notre pape François, notre évêque Pierre-Marie et Alain, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans sa miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. De confiance, Seigneur, sur toi plus particulièrement Pascal Beck, les membres de la famille Carrière-Rouvière, ainsi que Paulette Pascal. Si on nous sans fin, nous aimerons dans ton Dieu. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Ave, ave, ave. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, pionnier des apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et amen. Prends pitié de nous, Seigneur.
L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Je suis dit Marie, la servante du Seigneur. Et le Verbe s'est fait chair. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Prions. Accorde-nous, Dieu éternel et tout-puissant, de célébrer, d'avoir célébré ce mystère de l'Eucharistie. Tu nous as rassasiés, Seigneur, par ce don qui nous sauve, et nous implorons encore ta miséricorde. Tu as voulu nous fortifier en cette vie par ce même sacrement, qui nous rende participants de la vie éternelle. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Par ta miséricorde, Seigneur Dieu, purifie le peuple qui t'appartient de tout ce qui l'entraîne au vieillissement et rends-le capable de renouveau dans la sainteté par le Christ notre Seigneur. Amen. Je vous rappelle bien entendu les différents offices de la semaine sainte. Jeudi saint, ici à Pérols, le jeudi saint. L'office de la scène du Seigneur, et le vendredi saint, ce sera pour la paroisse Saint-Sixte de Pérols-Carnon, ce sera à 18h30 aussi, mais à Carnon. Vous aurez la joie à la fois d'avoir le Père Paul et à la fois d'avoir le Père Hervé. Voilà. Ensuite, pour le samedi saint, il y a un office qui sera célébré à Carnon à 21h, la vigile pascale, et le dimanche de Pâques, 9h30 à Carnon, et dimanche à 11h ici à Pérols. Pour les autres clochers, je vous invite à regarder le Stella Maris. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Page 43, dernier chant, page 43. La nuit qui pénible le Seigneur. D'abord,